journal de bord du Zixornufle. Dérivons dans le vide sidéral depuis maintenant 8 jours. Le moteur est définitivement grillé. L'espoir que j'avais de le réparer m'a abandonné. C'était Sidera, baroudeuse du cosmos, commandant et unique membre d'équipage du Zixornufle, présentement à la ramasse. Non ? Coucou, je te parle là. Qu'est-ce que tu fais ? T'es en pleine inspiration ? Bof. Le moteur du Zixornufle est à plat. Ah ouais, je vois. C'est pas toi qui serais un peu à plat plutôt ? Ouais. Oh ! Je sèche un peu sur mon roman, j'ai pas d'idée, je tourne en rond et du coup ça me pompe mon énergie. Et sans énergie, eh ben j'ai pas d'idée. Ok, ok, ok. J'ai saisi le concept. J'imagine que t'as besoin d'un déclic, d'une étincelle. Allez Jean-Pascal, fais la toupie. Recule, passe entre mes jambes. Fais le beau, allez, avance, saute. Tu sais quoi? Tu es vraiment désespérant. Salut Lou. Dis-moi, il sait faire des tours, ton chat? Bah, il peut se lécher le dos et mettre ses pattes au-dessus de ses oreilles, mais à part ça, rien de très spectaculaire. Ouais, ok. Sinon, quoi de neuf chez toi? Déprime totale, ma mère est en pyjama, tout amorphe. Ouah, t'en as de la chance. Mina chérie, tu viens avec moi faire un squash? Deux secondes, maman. J'arrive. Ta mère, faut la sortir, Lou. Quelle voix du monde. Tu crois, toi? Ouais. Et ton nouveau voisin, le fameux prince charmant? Ça pourrait la motiver d'avoir un amoureux. Peut-être. Mais concrètement, je fais quoi? T'organises un plan coup de foudre. Tu veux dire comme dans un téléfilm romantique? Pareil. Ils se rencontrent, soi-disant, accidentellement. Et là, paf! Coup de foudre. Ok, je vais essayer. Après tout, j'ai rien à perdre et moi, je déborde d'énergie. Bon, je te raconterai. À plus, Mina. Allez, Jean-Pascal, vas-y, fais-moi voir comment tu grooves. Allez, bouge ton corps. Go, go, go! Alors, les idées, ça fuse? Ouais, ouais, je suis à fond là. Ouais, t'as l'air. Et moi par contre, j'ai une super idée. Si on faisait un gâteau? Oh, bah zut, c'est la misère ça. On a ni œufs, ni beurre, ni crème. Ni sucre, ni farine, ni levure. Bah, on va pas aller loin avec ça. Bon sang, mais je suis nunuche moi. On a qu'à aller chez le voisin. Il va se faire un plaisir de nous dépanner. Ça se fait, non, entre voisins? Non. Mais non, mais je... Allez, allez, allez. Une bonne douche et ça te donnera la frite pour faire notre gâteau. Mais quel gâteau? J'ai pas du tout envie de faire un gâteau. Très bien, on va trouver autre chose. Bouge pas, je reviens dans 5 minutes. Tu bouges pas, hein? Voilà, voilà, j'arrive. Tiens, salut petite voisine. Tu tombes bien, je voulais te remercier de m'avoir aidé pour mon emménagement. Oh, c'était rien. Au fait, je m'appelle Lou. Enchanté, moi c'est Richard. Richard, j'adore. Waouh, c'est trop romantique. Quoi? Non, rien. Dis, tu t'y connais en électricité? Voilà, c'est cette lampe. Elle a fait paf d'un coup et après pouf, plus de lumière. C'est l'ampoule qui a grillé, quoi. Il faut la changer. Oh, ça doit être drôlement compliqué. Il suffit de dévisser l'ampoule grillée et d'en visser une neuve à la place. Je vais jamais y arriver, hein, c'est sûr. Donne-moi une ampoule neuve, je vais le faire. Génial. Une seconde, le temps d'aller à la salle de bain. Oh. C'est là que on range les ampoules. Ok. Maman! Maman! Mais... j'avais dit une douche, pas un bain. Allez, sors de l'eau, faut que tu t'habilles, j'ai besoin de toi. Oh non, je suis hyper bien, ma louloute, je me détends. En sortant, j'aurai la frite, tu vas voir. Bon, ben, désolé, on est à court d'ampoule. C'est pas grave, je repasserai quand tu en auras acheté une, ça va? Ok, ça marche.
c'est bon, j'ai une ampoule neuve. Et moi, j'ai un gros paquet de linge sale. Je passerai chez toi, en revenant de la laverie. Et... Maman? Maman, mais qu'est-ce que tu fabriques? Fini le bain relaxant. Allez, te laisse pas abattre, je vais tout ranger. Et toi, pendant ce temps-là, tu vas aller à la laverie sécher tout ça. Quoi? Mais je... Tu préfères rester ici et tout nettoyer? Regarde ça, Jean-Pascal, et prends-en de la graine. Hey, alors, ça avance l'histoire d'amour de ta mère? Écoute, il y a eu quelques imprévus, mais à l'heure qu'il est, elle doit être en train de plier des culottes en papotant avec Richard. Waouh! Me v'là, je viens pour réparer la lumière, comme promis. Génial! T'es tout seul? Tu sais, pour changer une ampoule, je pense que ça devrait suffire. Je veux dire, t'as croisé personne à la laverie? Bah non, pourquoi? Oh, pour rien. Ma mère devait y aller aussi. Non, non, j'ai vu personne, désolé. Oh. Attends-moi, je reviens. Mais, hé, et l'ampoule neuve? Sur le bureau! Allez, réveille-toi maintenant. Hein, quoi? Oh, Lou. Ah ben ça alors. Quel rêve. Figure-toi qu'une sorte de jardinier en guimauve m'accusait de lui avoir volé son emmental, hein. Et à ce moment-là, il m'a attaché avec des saucisses. Et il m'a menacé en pointant un savon de Marseille pour me faire avouer. Il est parti. Qui ça? Dis donc, t'as vu? La lampe s'est réparée toute seule. Oh, je vois une louloute qui n'a plus d'énergie tout d'un coup. Tu sais ce qu'il te faut à toi? Un coup de foudre? Ah, non, une gaufre au parc. Hey, Mina. Alors, ta mère et le voisin, ça marche ou pas finalement? Non, la vie, c'est pas aussi simple qu'un téléfilm romantique, hein. Je croyais que tout allait super bien, qu'ils pliaient des culottes ensemble. C'est ce que je croyais. Mais en fait... ils ont fait que se croiser toute la journée. Et sans se voir. Ah ouais, bah cool. Attends, il se passe un truc, je te rappelle. Vous savez, moi, j'adore me promener dans ce parc. Je verrai si vous serez à bien. J'en suis sûre. Je te présente Richard, notre nouveau voisin. On se connaît déjà. Lou m'a appelé au secours pour changer l'ampoule de votre bureau. Ah, alors c'était vous. Vous êtes bricoleur en plus. Oui, enfin, je sais changer une ampoule, quoi. Mais c'est génial, ça. Je pense que je vais faire souvent appel à toi. À vous. Et vous savez où me trouver? Bon, ben, à plus. À plus. Et voilà l'histoire, il y a eu coup de foudre, comme dans un téléfilm romantique. Exactement, tout pareil. Et maintenant ma mère écrit, mais comme une dingue, elle a jamais eu autant d'énergie. Chérie ?
Prends ton maillot de bain. Il y a nocturne à la piscine du club. Je vois tout à fait le genre. Bon, allez, je te laisse. À demain. Prince Fulgor, besoin d'aide étrangère? Je suis Sidera, baroudeuse du cosmos. Mon vaisseau est en panne depuis 9 jours. Rassurez-vous, je suis un peu bricoleur. Génial. Je sens que je vais souvent faire appel à... Dorénavant, vous saurez où me trouver. Que t'es en bas de chez moi et que je suis encore en retard. Je suis en bas de chez toi et t'es encore en retard. Bon, ben, donne-moi 5 petites minutes, j'arrive. 5 minutes, pas une de plus. Alors, qu'est-ce que devient la princesse Carolanne? Ah, t'es pas au courant? Bah non, malheureusement, j'ai pas eu l'autorisation de regarder la télé hier soir. Tu vas halluciner. Elle se jette dans le volcan en fusion en chantant à Diego qu'elle l'aimera jusqu'à la fin des temps. Ça, c'est vraiment romantique. Mina! Bah alors, t'aurais pu m'attendre, non? Quoi t'attendre? Je fais que ça, figure-toi. Depuis le début de l'année, je t'ai attendu 342 minutes en bas de chez toi, ok? Hey, c'est pas une raison pour pas répondre au téléphone, je voulais m'excuser. Peut-être, mais moi j'en ai plus qu'assez. J'avais pas envie de te parler. Ah ouais? Ouais, et d'ailleurs là, j'ai plus envie de te parler du tout, ni en vrai, ni au téléphone. Tiens, c'est nouveau ça, plus jamais? Non, plus jamais, c'est clair? Tu parles? C'est impossible, tu pourras pas tenir. Je suis prête à parier que tu vas m'appeler dans les 2 heures pour papoter. Hein? Je suis pas du genre à craquer. Dans 2 heures, c'est toi qui laisseras des messages sur mon portable en me suppliant de te rappeler. C'est ce qu'on verra. Bonjour. Non, ce mercredi, nous allons parler de la guerre froide. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est? Capitaine, il est de mon devoir de vous informer que les huguenots de la planète Horde m'ont inoculé un virus qui me pousse à raconter systématiquement n'importe quoi.
Parfait, sergent Pock. Mais il est de mon devoir de vous informer à mon tour que je ne suis que le balayeur de ce sous-marin nucléaire. En tant que balayeur, il est de mon devoir... Tu es rentré. Ça va? Lou? Coucou, tout va bien? Tout va très bien. Juste un truc, je veux plus jamais parler à Mina. Tu as vu, Mina? Ils ont enfin sorti le fameux téléphone portable qui fait en même temps PDA et GPS. Avec ça, tu pourras organiser ton planning tout en sachant au centimètre près où tu te trouves sur la planète. Tu peux le passer à la broyeuse, ton fichu catalogue. Regarde les photos, au moins, elles sont superbes. Je n'ai plus besoin de ton portable, terminé. Mina, tu comptes déprimer combien de temps? 10 minutes? 20 minutes? Je ne voudrais pas que le dîner soit trop cuit. Je ne déprime pas. Bon, ok, je crois que je vais plutôt commander des sushis. Ah, et puis, c'est vrai, mince, après tout, j'ai pas besoin de l'appeler tout le temps comme ça pour lui raconter tout ce que je fais, hein. Ça, c'est vraiment dingue. Elle m'a pas encore appelé. En plus, là, je fais rien du tout. Et elle, tu crois qu'elle fait quoi, là, par exemple? Si ça se trouve, elle fait rien du tout non plus. N'empêche, elle pourrait quand même m'appeler pour me le dire. T'y crois, toi? Yes! Numéro masqué? Allô? Mina chérie, c'est moi. Je vais commander des sushis. Tu veux des makis California ou des brochettes? Allô? Allô? Ou des sashimi si tu préfères. Tiens, tu souris maintenant. T'as un service à me demander? Moi? Oh... Oui! Est-ce que tu peux appeler la mère de Lou, histoire de savoir ce que fait mon ex-copine? Capitaine, en tant que balayeur, il est de mon devoir de vous démettre de vos fonctions, car un, on ne peut décemment pas confier le commandement d'un submersible truffé d'armes tactiques à un type qui croit aux uglons. Maman, tu pourrais appeler Joss pour... Allô? Oui, bonjour, c'est Joss. Joss, quelle surprise! Salut, tu vas bien? Oui, et toi? Bah, pas trop mal. Bien, et Lou? Ça va aussi. Enfin, je crois, oui. Et Mina? Et Mina, quoi de neuf? Oh, pas grand-chose. Bon. Et ton mari? Comment... Ah oui, Robert. Robert? À vrai dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était... mardi matin à 10h15. Il travaille beaucoup, c'est ça? Oh, je m'en fiche de Robert. Demande-lui ce que fait Mina. Demande-lui ce que fait Lou, bon sang. Il travaille énormément, oui. Et comme nous n'avons pas les mêmes horaires, on ne se parle plus. On ne fait que se croiser. En fait, vous vivez ensemble, mais pas dans le même espace-temps. Et Mina, alors? Hé, hey, n'oublie pas Lou! Maman! Tu vois pas que je suis au téléphone? Bon, j'ai compris, je laisse tomber. Je vais promener Jean-Pascal. Ok, d'accord, je vois le genre. Je crois que je vais aller faire une petite balade, moi. J'ai vraiment besoin de prendre l'air. Maman, c'est encore toi? Oh, mais non, mon roudoudou, tu ne me déranges jamais. Ah oui, moi aussi tu me manques, je t'embrasse. Allez, bisous, 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 bisous. Attends, je dois te laisser, j'ai un double appel. D'accord, mes bichettes, je te rappelle tout à l'heure. Oh, mon adoré, c'est bon, on peut se parler. Il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. Ah,
non, 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 non. Elle serait trop contente. Faut que je raconte ça à Mina. Yes. Oh, oh, c'est que j'ai failli craquer, moi. Ça lui ferait trop plaisir. Non. Oh, après tout, tant pis. Je dois savoir. Stop. Mina, t'es une fille forte. Range ça dans ta poche et n'y pense plus. Hé, hey, Lou, ça va? Oh, tu m'étonnes, tu parles que ça va. Tu sais pas ce qui vient de m'arriver? Ne me dis rien, laisse-moi deviner. T'as vu la pub pour les super promos aux galeries, c'est ça, hein? Un truc comme ça, franchement, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Viens, on y va ensemble, ça ferme dans 2 heures. Ok, désolée, j'ai pas le temps en fait. À plus. Hey Gino. Ciao mia cara. Gino, il vient de m'arriver un truc carrément trop sombre. Ah si. Ouais, imagine, j'étais là dans la rue comme une pauvresse à ruminer et tout d'un coup, paf, le voilà. Non. Si. Oh, il était beau comme Rimbaud et il s'est approché. Non. Si. Et quand il s'est retrouvé devant moi, j'ai senti ses bonnes ondes m'envahir. Tu vois le genre de feeling dont je te parle? Non. Et alors j'ai compris que c'était un vrai juglon de la planète Oort. Non. Ok, t'écoutes rien du tout de ce que je te dis en fait. Ah si. Mais c'est compliqué de faire 2 choses en même temps, non? Si. Lou, j'ai... Et dis donc, ma pizza, Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Ça vient, signore Verdier. Presto subito! Ciao, Mina. Va bene? Ciao, Gino. Dis-moi, Lou serait pas venue te raconter un truc, là? Bah si. Un truc super important. Si, importantissimo. Super. C'est quoi? Raconte. Mais elle a ruminé des bonnes ondes de Rimbaud et alors il s'est approché des zouglons. Enfin, je crois. Il faut que tu arrives à goupiller des petits moments sympas, rien que Robert et toi, tu vois? Tu veux dire aller au restaurant, par exemple, rien que lui et moi, sans les collègues? Bah oui, ce serait cool, non? Oui, pourquoi pas. Faut que je vois si c'est compatible avec nos agendas. Absolument que je te raconte, hier il m'est arrivé un truc trop dingue, je peux pas te dire. Ah, bah ne me dis pas alors. J'ai croisé Tristan, t'imagines? Non, raconte. Allez. C'était trop ultra romantique. Il m'a dit, fais gaffe, il y a ton portable qui est tombé par terre. Alors moi j'ai répondu, bah non en fait j'ai rien répondu du tout, j'ai bafouillé un truc incompréhensible. Non. Si. Ensuite il m'a aidé à le ramasser et il m'a dit bye bye. C'est génial, absolument génial. C'était trop super chouette. Tu m'étonnes. Ce qui est trop super moins chouette, c'est nos mères. Ah, ça c'est vrai, elles ont passé la nuit au téléphone. Elles vont devenir accros, hein. C'est grave quand même d'en arriver là. Ouais, grave. Ouais.
Choisis, rose ou blanc. Voyons, que ferait Sidera dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hé, hey, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut, oui, ça va, j'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, bah alors, à la prochaine alors, ok? Ok, à la prochaine. C'est tout? Bah quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopouf et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà. Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Loulou, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non. Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois. Si tu le dis. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Tiens. Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok. Bon, sinon ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Ah, ben, oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine, prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, le... enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue du... plus précisément, du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort, c'est hyper original en jazz. Ben, si tu le dis... Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découper sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de bobos. Pas de sucre, sale ballonne. Juste une pomme, il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Ben, où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien, t'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir, j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou... T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements. Incroyable. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré.
Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Ben oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! Bah, t'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé! Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Ben voilà, c'est malin. Maintenant, on a deux chiens à retrouver. Bien vu! Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une. Il va te la prêter. Oh, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, ben moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'un mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le Boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Ah, je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoutou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. T'es toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog-sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie.
y a du nouveau. Ouah, t'as retrouvé les chiens? Pas moi. Bah, alors qui? Le paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire, en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire une heure. Tu sais que t'es douée, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. Chez moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petit cube, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, je... Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? Alors, les filles comme d'habitude, votre table est prête. Merci, merci. Et voilà, Mia Poupa. Merci. Il faudrait un quatrième menu. Richard déjeune avec nous. Richard? Mais quel Richard? C'est les garçons avec la tête des fouines et des poils dans les oreilles. Non, lui, c'est... Alors, c'est celui qui photographie les pigeons et qui met des tongs en plein hiver. Non, lui, c'est Franck, perdu. Richard, c'est notre voisin. L'homme idéal, pas vraiment? Lou. Bonjour. Bonjour, tout le monde. Je vous présente Gino, voici Richard, et Richard, voici Gino. Ah, belle, Richard. Je suis sûr que vous avez toujours rêvé de visiter une pizzeria. En fait, pas vraiment. Massi, Swift et moi, en route pour une visite guidée spéciale Gino. Il ne va pas oser lui faire passer le test quand même, si? Si, j'ai bien peur que ce soit ça. Fallait s'y attendre, c'est son rituel. Il l'a fait à tous les autres. Waouh, elle est super nickel, votre réserve. Il va où, l'escalier? Il conduit au jardin. Et là, c'est... La chambre est froide. Oui, ça porte rudement bien son nom. On peut pas dire qu'il fasse très chaud. Alors, il paraît que vous êtes l'homme idéal. De qui? De Mia Poupa. Vous êtes amoureux d'elle. Amoureux? C'est juste une voisine. Pour l'instant. Ah, por commiseria! Mais qu'est-ce qu'elle vous trouve? Pourquoi je... C'est quoi ce look? Regardez-moi ça! On dirait un gilet en peau des moutons mortons. Son état. Non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis amoureuse de Richard, d'abord?
La première fois que tu l'as croisée, t'étais pétrifiée, toute rouge. Tout ce que t'as pu dire, c'était... un peu comme Lou maintenant, là. Ben, c'est pas Tristan, là? Mais si, le jour J du premier contact est arrivé. Ma petite cocotte, tu vas enfin lui parler. Te dégonfle pas. Lamentable. Donc, pour résumer, vous avez fait du curling et vous écrivez une hôtesse. Et je joue aussi de la contrebasse. Désolé, ça ne va pas coller avec Poupa. Vous êtes trop farabuto. Farabuto? Qu'est-ce que ça veut dire, farabuto? Bon à rien. Comment? Et vous pourriez rester poli. Allez, finis la comédie. Je vous laisse ici avec vos copains les calamars surgelés. Moi, je remonte. Porca miseria. Le pizzaiolo aurait tout de même pu nous apporter le menu. Allez, papy, t'énerve pas. Pour une fois qu'on va au restaurant. Ah non, je suis pas sûr, mais il y a des limites. Vous avez raison, monsieur. Et ma salade, alors? Il est allé l'accueillir dans le jardin ou quoi? C'est vrai qu'il est plus long que d'habitude, le test de Gino. C'est mauvais signe, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qui est mauvais signe, c'est cette odeur de brûlé. C'est dingue comme ça réduit à la cuisson une pizza. Alors, c'est une pizza 4 saisons, c'est pour l'été prochain ou quoi? Bien, comme dirait Sidéra, la baroudeuse du cosmos. Quand il faut y aller... Il faut y aller. Lou, tu vas prendre les commandes des clients. Notamment celle de Tristan. Bon, alors tu vas essayer de retrouver Richard et Gino. Bien, donc c'est Mina qui va prendre les commandes. Tiens, sers des olives aux clients, ça les fera patienter. Et toi, tu fais quoi? Ben moi, je cuisine. Faut bien les nourrir, tous ces braves gens. Maman, la dernière fois que t'as fait une purée, t'as oublié de cuire les pommes de terre. Je vais assurer. Je parie qu'il y aura au moins un client satisfait ce soir. Ok, si c'est pas le cas, c'est toi qui t'occupes de la lessive cette semaine. Ça marche. Madre mia, je vais perdre ma clientèle, faire faillite, être obligé d'aller vivre dans les bois. Mais non, Gino, rassurez-vous, nous serons congelés bien avant. Tout ça, c'est de votre faute. Quoi? J'étais juste venu pour manger une pizza avec ma voisine. Qui m'a amené ici, hein? Qui? Et qui a cassé la poignée? À cause de vous, on est enfermés. Trouvez une solution pour nous sortir d'ici et presto subito. Pas de problème. Figurez-vous que je ne suis pas du genre à me laisser démonter, moi. Au secours, les filles! On est coincés dans la chambre froide! Gino! Richard? Vous êtes là? À l'aide! Ouvrez-nous! On est là! Ouvrez-nous! Au secours! C'est bien ce que je disais, farabuto! Si! Alors, Gino et Richard? Introuvables. La porte du jardin est ouverte. Ils sont peut-être sortis. Génial, à dire qu'on avait prévu un déjeuner sympa. Tant pis, on se passera d'eux. Vous voulez encore des olives? Oui, avec 3 pizzas napoletana en dessous, s'il vous plaît. Ça marche. 3 napoletana pour la table de Tristan, c'est urgent. En voilà une. Chaud devant. C'est quoi ça? Une calzone. Et comme je n'ai trouvé ni jambon, ni fromage, ni champignons, dedans il n'y a que des brocolis. Allez ma cocotte, courage, apporte ça à Tristan et profites-en pour lui adresser la parole. Go, go, go! Allez! Mirette! Merci. Ça a l'air très bien cuit. Allez, vas-y, dis-lui quelque chose. Assure. Vous avez de l'huile pimentée? Non, mais elle n'est pas un peu godiche, cette fillette? Un peu, tu es bien bonne. Elle a deux mains, elle n'apporte qu'une pizza. Elle peut dire adieu à son pourboire. Oh, soyez un peu cool. Elle doit être ici pour aider. C'est la première fois que je la vois servir des pizzas.
Mais qu'est-ce que t'as fabriqué? T'y étais là, t'avais escaladé toute la montagne, t'avais les neiges éternelles à portée de main. Je sais pas, j'ai eu comme le vertige. Eh oh les minettes, il y a des tas de pizzas made in moi à distribuer, alors au boulot. Je connais une louloute qui va se taper une semaine de lessive. Tenez. Je suis désolé d'avoir cassé la poignée, Gino. Et moi, je regrette de vous avoir amené ici pour vous interroger. Mais Poupa, c'est comme mia bambina. Dès qu'il s'agit d'elle, je deviens très inquiet. Moi, quand je la vois, j'ai envie de souffler doucement sur sa frange, de partager mes céréales avec elle et de lui jouer de la contrebasse jusqu'à ce qu'elle s'endorme en boule comme une petite marmotte à côté de moi. Bene. Et une pizza bolognaise, une. Vous mettez des ananas sur la pizza bolognaise, vous? Oui, et pas de viande. C'est une nouvelle et brillante idée du chef. Je préférais quand le chef n'avait pas d'idée. Et une pizza volcano pour mademoiselle. Alors? Eh bien, 100% des clients sont insatisfaits. Même le bulldog de Monsieur Verdier n'a pas terminé. Bon, je vais à la réserve chercher de la glace à la pistache. Mais personne n'a commandé de glace. Si, moi, j'ai besoin d'un remontant. Quand Flavio vit sa bien-aimée, il s'en fallut de peu qu'il ne mourût de joie au triste souvenir de ses infortunes passées. Autant que sous les poids de son bonheur présent. Vous connaissez les poèmes italiens du 14e siècle? Ah, bien sûr, c'est une de mes passions. Et moi, c'est le sujet de ma thèse. Maintenant, mes bras. Ben vous voilà enfin. Je vous signale que pendant que vous papotez, moi, je suis obligée de faire la cuisine. Quoi? Opération addition. Destination, la table numéro 7. Cible, Tristan. Objectif, entamer une conversation avec la cible. OK? Oui, chef. Nous ne remettrons jamais plus les pieds ici. Qu'est-ce que t'as trouvé? Rien du tout. Bobo n'a jamais aussi mal mangé. Maintenant, il a des crampes d'estomac. Moi aussi. C'était immonde. Absolument infect. Non, ne partez pas. Restez, Gino est de retour. Pizza gratuite pour tout le monde. Si c'est gratuit, alors ainsi, Bobo. Alors, ça s'est bien passé avec Gino? Disons qu'on a brisé la glace. Tu as mis du guacamole dans la pizza mexicaine? Ben oui, pourquoi? Oh, mamma mia! Ben, le guacamole, ça vient du Mexique. Re-salut. Tu t'aurais pas trouvé mon médiator par hasard? J'ai dû l'oublier sur la table. Bon, tant pis. À plus. Au fait, madame, si j'ai bien compris, c'était vous le pizzaiolo aujourd'hui. Bon, ben, je voulais vous dire que moi, j'ai bien mangé. Allez, salut! Yeah! À toi la semaine de lessive, ma louloute! Pas de problème.